Wow, midi et demi. Allez, il faut mettre vos masques. Allez, on se bouge. C'est quoi cette blague? Bonjour. N'oublie pas ton masque. Le midi et demi présente... Covid. 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve. Qui questionne les modèles dominants. Covid. 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les deux minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne? L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid. 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique, pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'amour. Au temps où la pensée est libre, où les hommes sont dissemblables, mais ne sont pas solitaires. Au temps où la vérité existe, où ce qui est fait ne peut être défait. De l'âge de Big Brother, salut. Radio Grand Besoin. Question. Covid. 1984. Attention, s'il vous plaît. Des nouvelles tombent à l'instant. Des agents connus travaillant pour Goldstein et impliqués dans le dernier sabotage et de la propagande séditieuse. D'autres foyers de conspiration et des saboteurs ont été découverts. Et plusieurs autres arrestations sont imminentes. C'est la fin de notre bulletin. C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire. Pas assez rapidement cependant, pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage large de plus d'un mètre. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au 7e. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran, comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage et la moustache noire vous fixaient du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde », répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche,
dont un angle était déchiré, battait par à coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot, Anxos. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seul comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À 1 kilomètre, le ministère de la Vérité, où il travaillait, s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Le ministère de la Vérité comprenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol, et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans Londres, il n'y avait que 3 autres constructions d'apparence et de dimensions analogues. Elles écrasaient si complètement l'architecture environnante que, du toit du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les 4 simultanément. C'étaient les locaux des 4 ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil gouvernemental. Le ministère de la Vérité qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix qui s'occupait de la guerre. Le ministère de l'Amour qui veillait au respect de la loi et de l'ordre. Le ministère de l'Abondance qui était responsable des affaires économiques. Leur nom, en 9 langues, était Miniver, Minipax, Mini-amour, mini-plat. Winston fit brusquement demi-tour. Il avait fixé sur ses traits l'expression de tranquille optimisme qu'il était prudent de montrer quand on était en face du télécran. Il traversa la pièce pour aller à la minuscule cuisine. En laissant le ministère à 7 heures, il avait sacrifié son repas de la cantine. Il n'ignorait pas qu'il n'y avait pas de nourriture à la cuisine, sauf un quignon de pain noirâtre qu'il devait garder pour le petit déjeuner du lendemain. Il prit sur l'étagère une bouteille d'un liquide incolore qui portait une étiquette blanche, où s'inscrivaient clairement les mots « Gin de la Victoire ». Il retourna dans le living room et s'assit à une petite table qui se trouvait à gauche du télécran. Il sortit du tiroir un porte-plume, un flacon d'encre, un incarto épais et vierge, au dos rouge et à la couverture marbrée. Le télécran du living room était, pour une raison quelconque, placé en un endroit inhabituel. Au lieu de se trouver comme il était normal dans le mur du fond, où il aurait commandé toute la pièce, il était dans le mur plus long qui faisait face à la fenêtre. Sur un de ses côtés, là où Winston était assis, il y avait une alcôve peu profonde qui, lorsque les appartements avaient été aménagés, était probablement destiné à recevoir des rayons de bibliothèque. Quand il s'asseyait dans l'alcôve, bien en arrière, Winston pouvait se maintenir en dehors du champ de vision du télécran. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais aussi longtemps qu'il demeurait dans sa position actuelle, il ne pourrait être vu. C'était l'aménagement particulier de la pièce qui avait en partie fait naître en lui l'idée de ce qu'il allait maintenant entreprendre. Mais cette idée lui avait aussi été suggérée par l'album qu'il venait de prendre dans le tiroir. C'était un livre spécialement beau. Son papier crémeux et lisse, un peu jauni par le temps, était d'une qualité qui n'était plus fabriquée depuis 40 ans au moins. Winston estimait cependant que le livre était beaucoup plus vieux que cela. Il l'avait vu traîner à la vitrine d'un bric-à-brac moisissant,
dans un sordide quartier de la ville, lequel exactement il ne s'en souvenait pas, et avait immédiatement été saisi du désir irrésistible de le posséder. Les membres du parti, normalement, ne devaient pas entrer dans les boutiques ordinaires. Cela s'appelait acheter au marché libre. Mais la règle n'était pas strictement observée, car il y avait différents articles tels que les lacets de souliers, les lames de rasoir, sur lesquels il était impossible de mettre la main autrement. Il avait d'un rapide coup d'œil parcouru la rue du haut en bas, puis s'était glissé dans la boutique et avait acheté le livre 2,50 $. Il n'avait pas conscience, à ce moment-là, que son désir impliqua un but déterminé. Comme un criminel, il avait emporté dans sa serviette ce livre qui, même sans aucun texte, était compromettant. Ce qu'il allait commencer, c'était son journal. Ce n'était pas illégal. Rien n'était illégal, puisqu'il n'y avait plus de loi. Mais s'il était découvert, il serait sans aucun doute puni de mort, ou de 25 ans au moins de travaux forcés dans un camp. La victoire à 21h30. Fin de ce bulletin. Comment ça se fait? Stop! Radio! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Pourriez-vous me dire où je suis? Samedi, ici. Radio provisoire. Parti. Bonjour. Radio provisoire, la radio qui garde son calme et conserve son sang-froid. Voilà, vous pouvez tous le faire si vous voulez. Nous n'avons pas tous le privilège de nous battre sur le front. Imaginez ce qu'ils ont, eux, à endurer. Maintenant, osons le mot, résister. Bonsoir. Ici, Radio Provisoire va vous présenter son émission de radio. Lancée d'alerte. Spécialement créée pour tous les pays du monde opprimés. En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran. Attention, attention, à cause de notre brouillage radio. Ouvre la séance. Le localisateur vient de se mettre en marche. Je te tiendrai au courant. À tout à l'heure. Nous organisons chaque année. Ah, le corps a l'air blessé. J'atterris. Winston s'arrêta d'écrire. En partie parce qu'il souffrait d'une crampe. Il ne savait ce qui l'avait poussé à déverser ce torrent d'absurdité. Mais le curieux était que, tandis qu'il écrivait, un souvenir totalement différent s'était précisé dans son esprit, au point qu'il se sentait presque capable de l'écrire. Il réalisait maintenant que c'était à cause de cet autre incident qu'il avait soudain décidé de rentrer chez lui et de commencer son journal ce jour-là. Cet incident avait eu lieu le matin au ministère, si l'on peut dire d'une chose si nébuleuse qu'elle a eu lieu. Il était presque 11 h, et au commissariat aux archives, où travaillait Winston, on tirait les chaises hors des bureaux pour les grouper au centre du hall, face au grand télécran, afin de préparer les 2 minutes de la haine. Winston prenait place dans un des rangs du milieu quand 2 personnes qu'il connaissait de vue, mais à qui il n'avait jamais parlé, entrèrent dans la salle à l'improviste. L'une était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs. Il ne savait pas son nom, mais il savait qu'elle travaillait au commissariat au roman. Il l'avait parfois vue avec des mains huileuses et tenant une clé anglaise. Elle s'occupait probablement à quelques besognes mécaniques sur l'une des machines à écrire des romans. C'était une fille d'aspect hardi, d'environ 27 ans, aux épais cheveux noirs, au visage couvert de taches de rousseur, à l'allure vive et sportive. Une étroite ceinture rouge, emblème de la Ligue antisexe des juniors, plusieurs fois enroulée à sa taille, par-dessus sa combinaison, était juste assez serrée pour faire ressortir la forme agile et dure de ses hanches. Une fois, alors qu'ils se croisaient dans le corridor, elle lui avait lancé un rapide regard de côté qui semblait le transpercer et l'avait rempli un moment d'une atroce terreur. L'idée lui avait même traversé l'esprit qu'elle était peut-être un agent de la police de la pensée. C'était à vrai dire très improbable. Néanmoins, il continuait à ressentir un malaise particulier, fait de frayeur autant que d'hostilité, chaque fois qu'elle se trouvait près de lui quelque part. L'autre personne était un homme nommé O'Brien, membre du parti intérieur. Il occupait un poste si important et si élevé que Winston n'avait qu'une idée obscure de ce qu'il pouvait être. Un silence momentané s'établit dans le groupe des personnes qui entouraient les chaises quand elles virent approcher sa combinaison noire, celle d'un membre du parti intérieur. O'Brien était un homme grand et corpulent, au cou épais, au visage rude, brutal et caustique. Winston avait vu O'Brien une douzaine de fois peut-être.
dans un nombre presque égal d'années. Il se sentait vivement attiré par lui. Ce n'était pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre l'urbanité des manières d'O'Brien et son physique de champion de lutte. C'était beaucoup plus à cause de la croyance secrète, ce n'était peut-être même pas une croyance, mais seulement un espoir, que l'orthodoxie de la politique d'O'Brien n'était pas parfaite. Quelque chose dans son visage le suggérait irrésistiblement. Mais peut-être n'était-ce même pas la non-orthodoxie qui était inscrite sur son visage, mais simplement l'intelligence. De toute façon, il paraissait être quelqu'un à qui l'on pourrait parler si l'on pouvait duper le télécran et le voir seul. Winston n'avait jamais fait le moindre effort pour vérifier cette supposition. En vérité, il n'y avait aucun moyen de la vérifier. O'Brien, à ce moment, regarda son bracelet montre, vit qu'il était près de 11h et décida, de toute évidence, de rester dans le commissariat aux archives jusqu'à la fin des 2 minutes de la haine. Il prit une chaise sur le même rang que Winston, 2 places plus loin. Une petite femme rousse qui travaillait dans la cellule voisine de celle de Winston les séparait. La fille aux cheveux noirs était assise immédiatement derrière eux. C'est exactement à ce moment-là que la chose significative arriva. Si, en fait, elle était arrivée. Son regard saisit un instant celui d'O'Brien. O'Brien s'était levé. Il avait enlevé ses lunettes et, de son geste caractéristique, il les rajustait sur son nez. Mais il y eut une fraction de seconde pendant laquelle leurs yeux se rencontrèrent. Et dans ce laps de temps, Winston sut, il en eut l'absolue certitude, qu'O'Brien pensait la même chose que lui. Un message clair avait passé. C'était comme si leurs deux esprits s'étaient ouverts et que leurs pensées avaient coulé de l'un à l'autre par leurs yeux. « Je suis avec vous », semblait lui dire O'Brien. « Je sais exactement ce que vous ressentez. Je connais votre mépris, votre haine, votre dégoût. Mais ne vous en faites pas. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. » L'éclair de compréhension s'était alors éteint et le visage d'O'Brien était devenu aussi indéchiffrable que celui des autres. C'était tout. Et Winston doutait déjà que cela se fût passé. De tels incidents n'avaient jamais aucune suite. Leur seul effet était de garder vivace en lui la croyance, l'espoir, que d'autres que lui étaient les ennemis du parti. Peut-être les rumeurs de vastes conspirations étaient-elles après tout exactes. Peut-être la fraternité existait-elle réellement. Ce n'était que des suppositions. Il avait probablement tout imaginé. Minute de la haine. Le programme, les 2 minutes de haine. S'opposer à tout, c'est une stratégie perdante, parce que tout arrive. Bien, voyons qui est droit, frères et sœurs. Monsieur le Président du gouvernement provisoire de la République, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, aujourd'hui, 27 mai 1945, le Conseil national de la Résistance veut rendre hommage. Devint pour nous, tour à tour, M. X, Reich, Marx, organisateur de beaucoup de petits mouvements qui, à travers le pays, réunissaient des patriotes. Et nous travaillons les uns et les autres à la libération de notre pays. Le général de Gaulle se lève. La réunion d'aujourd'hui, où se trouve, auprès du Conseil national de la Résistance, les représentants des grands corps de l'État et toutes sortes d'hommes de toutes origines et de toutes nuances qui se sont mis eux-mêmes au premier rang de ceux qui menaient la lutte et qui la mènent encore contre l'ennemi. Voilà ce qu'est cette réunion d'aujourd'hui, magnifiquement symbolique de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Louis Saillant, président du Conseil national de la Résistance. Jamais gouvernement en France, depuis 50 ans, n'avait disposé d'un tel enthousiasme, de telle offre de collaboration, de telle force vive pour agir. Si ce gouvernement voulait se servir des moyens de réalisation sociale, économique et politique
que lui offre la classe ouvrière syndicalement organisée, ce gouvernement pourrait faire des merveilles à l'heure actuelle dans notre pays. C'était... Deux. Minute de la haine. Attention, s'il vous plaît. Des nouvelles sondes à l'instant. Ce peut être dans longtemps, mais ne désespérez pas. Tout le monde guérit un jour ou l'autre. C'est la fin de notre but. Bonsoir. Ici, Radio Provisoire. Lancé d'alerte. La novlangue, c'est l'État qui impose les mots à utiliser, et ces mots sont imposés pour neutraliser le sens, et pour neutraliser la capacité à réfléchir et la capacité à penser. Alors, on avait beaucoup rigolé, enfin rigolé jaune, à l'époque de la LOPSI, la loi d'orientation et de programmation, Brice Hortefeux, Sarkozy, tout ça, où il y avait un amendement qu'on avait surnommé l'amendement novlangue, qui disait « remplace dans tous les textes législatifs et réglementaires le mot « vidéosurveillance » par le mot « vidéoprotection ». Donc tu as l'État qui dit « maintenant, on ne parle plus de vidéosurveillance, mais on parle de vidéoprotection ». Et on comprend tous pourquoi. La surveillance, tout le monde se dit « oula, j'ai pas envie d'être surveillé ». Donc peut-être que c'est justifié la surveillance de temps en temps, mais moi j'ai pas envie d'être surveillé. Alors que protection, tout le monde a envie d'être protégé. Et donc on voit comment le sens des mots est utilisé pour neutraliser la capacité à penser. Radio Provisoire. En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran. C'est l'occasion. Covid. 1984, Big Data is watching you. On sait tout de vous. En direct, original, la plus grande section du commissariat aux archives, bien plus grande que celle où travaillait Winston, était simplement composée de gens dont la tâche était de rechercher et rassembler toutes les copies de livres, de journaux et autres documents qui avaient été remplacés et qui devaient être détruites. Les livres aussi étaient retirés de la circulation et plusieurs fois réécrits. On les rééditait ensuite sans aucune mention de modification. Même les instructions écrites que recevait Winston, et dont il se débarrassait invariablement dès qu'il n'en avait plus besoin, ne déclaraient ou n'impliquaient jamais qu'il s'agissait de faire un faux. Il était toujours fait mention de fautes, d'omissions, d'erreurs typographiques, d'erreurs de citation qu'il était nécessaire de corriger dans l'intérêt de l'exactitude. À proprement parler, il ne s'agit même pas de falsification. Pensa à Winston, tandis qu'il rajustait les chiffres du ministère de l'Abondance. Il ne s'agit que de la substitution d'un non-sens à un autre. La plus grande partie du matériel dans lequel on trafiquait n'avait aucun lien avec les données du monde réel. Pas même cette sorte de lien que contient le mensonge direct. Les statistiques étaient aussi fantaisistes dans leur version originale que dans leur version rectifiée. On comptait au premier chef sur les statisticiens eux-mêmes pour qu'ils ne s'en souvinssent plus. Winston jeta un coup d'œil à travers la galerie. De l'autre côté, dans la cabine correspondante à la sienne, un petit homme d'aspect méticuleux, au menton bleui, nommé Tillotson, travaillait avec ardeur. Quelques cabines plus loin, se trouvait une créature douce, effacée, rêveuse, nommée Amplefort, qui avait du poil plein les oreilles et possédait un talent surprenant pour jongler avec les rimes et les mètres. Cette Amplefort était employé à produire des versions inexactes, on les appelait textes définitifs, de poèmes qui étaient devenus idéologiquement offensants, mais que pour une raison ou pour une autre, on devrait conserver dans les anthologies. Cette galerie, avec ses 50 employés environ, n'était qu'une sous-section, un seul élément en somme de l'infinie complexité du commissariat aux archives. Plus loin, il y avait les immenses ateliers d'impression, avec leurs sous-éditeurs, leurs experts typographes, leur studio soigneusement équipé pour le trucage des photographies. Il y avait la section des programmes de télévision, avec ses ingénieurs, ses producteurs, ses équipes d'acteurs spécialement choisies pour leur habileté à imiter les voix. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Il y avait les armées d'archivistes, dont le travail consistait simplement à dresser les listes des livres et des périodiques qu'il fallait retirer de la circulation. Il y avait les vastes archives, où étaient classés les documents corrigés, et les fournaises cachées, où les copies originales étaient détruites. Et quelque part,
absolument anonyme, il y avait les cerveaux directeurs qui coordonnaient tous les efforts et établissaient la ligne politique qui exigeait que tel fragment du passé fût préservé, tel autre falsifié, tel autre encore anéanti. Le commissariat aux archives n'était lui-même en somme qu'une branche du ministère de la Vérité, dont l'activité essentielle n'était pas de reconstruire le passé, mais de fournir aux citoyens de l'Océania des journaux, des films, des manuels, des programmes de télécran, des pièces, des romans, le tout accompagné de toutes sortes d'informations, d'instructions et de distractions imaginables, d'une statue à un slogan, d'un poème lyrique à un traité de biologie et d'un alphabet d'enfant à un nouveau dictionnaire novlangue. De plus, le ministère n'avait pas à satisfaire seulement les besoins du parti, il avait encore à répéter toute l'opération à une échelle inférieure pour le bénéfice du prolétariat. Covid 1984. En direct, original, l'inconscience. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de Novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Du dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Virus est un mot latin passé tel quel en français. Il désigne au sens propre la sève des plantes, le venin des animaux et plus généralement le poison, le venin. Un virus, c'est donc un organisme dont il faut se méfier car il est très nocif pour la santé. Dictionnaire. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les impactualités. Impact du langage sexiste au... Qui estas preseta. Depuis des années, nous devons donc... Les actualités magnifiques. 25 février. On remet en avant surtout les victimes, très nombreuses effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, et où Vladimir Poutine cherche un peu à faire oublier les crimes du stalinisme. Il en parle très rapidement pour surtout mettre en avant la victoire de l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne veut finalement qu'une histoire. Qu'il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays, ce serait disproportionné et inefficace. À ce stade, nous souhaitons également dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler a priori les grands événements publics, qu'ils soient de nature sportive ou culturelle. C'est surtout que Vladimir Poutine lui-même se fait historien. Mmh. Il écrit l'histoire, il écrit son histoire, qui est celle effectivement où alors le pacte germano-soviétique devient une nécessité. Il écrit des articles historiques, donc c'est le monde politique et le président lui-même qui va écrire cette histoire, qui est une histoire extrêmement sélective. Je suis en ce moment de garde au SAMU et hier soir, dès l'annonce que le nord de l'Italie était une zone qui nécessitait de prendre des précautions, nous avons eu une explosion d'appels au niveau du SAMU, y compris des renseignements, parce que le numéro vert qui a été mis en place par le ministère ferme à 19h. On est face à potentiellement une crise sanitaire qui nécessitera la mobilisation de moyens importants. Ces moyens n'existent pas. Les moyens qu'on mettra sont des moyens qui seront pris ailleurs au détriment d'autres patients et du fonctionnement normal de nos SAMU et de nos hôpitaux. Nous avons ce soir deux nouveaux cas. 14 cas confirmés, 2 personnes hospitalisées, 11 guéries et 1 décédé. Le cas numéro 13 est celui d'une jeune femme chinoise qui est revenue de Chine le 7 février, qui a été hospitalisée à Paris et qui a un tableau très rassurant puisqu'en fait elle est négative mais avec des traces de guérison récente. On est plus dans une épidémie de panique que dans une vraie épidémie, dans la mesure où on sait que tous les ans, il y a des milliers de personnes âgées qui vont mourir de la grippe. La priorité unique et absolue du gouvernement, vous vous en doutez bien, c'est de protéger nos concitoyens contre le risque, et le risque sérieux d'une épidémie de ce coronavirus apparu en Chine et dont tout indique qu'il est en train de se transmettre un peu partout dans le monde.
c'est un virus qui est en train quand même de montrer que sa virulence, son agressivité est modérée, très modérée, et que bien sûr il y a des sujets qui meurent, que c'est bien regrettable, mais ça fait une très faible proportion et que on ne le dit pas assez probablement, 97% ou 98% des sujets atteints guérissent. Mais quand on parle des urgences, il faut aussi savoir, il ne faut pas raconter d'histoire. C'est vrai que si on a une épidémie de grande ampleur, on n'aura pas les moyens de mettre tous les malades dans des chambres isolées. Mmh. Winston avait fini son pain et son fromage. Il se tourna un peu de côté sur sa chaise pour boire son café. À la table qui se trouvait à sa gauche, Sim, depuis un moment, était silencieux et traçait des dessins avec le manche de sa cuillère dans la flaque de ragoût. La voix à l'autre table continuait son caquetage volubile, aisément audible en dépit du vacarme environnant. « Il y a un mot en novlang, » dit Sim. « Je ne sais si vous le connaissez. Canelang, caquetage du canard. C'est un de ces mots intéressants qui ont deux sens opposés. Appliqué à un adversaire, c'est une insulte. Adressé à quelqu'un avec qui l'on est d'accord, c'est un éloge. » Indubitablement, Sim sera vaporisé, pensa de nouveau Winston. Il le pensa avec une sorte de tristesse, bien qu'il sût que Sim le méprisait et éprouvait pour lui une légère antipathie. Sim était parfaitement capable de le dénoncer comme criminel par la pensée, s'il voyait une raison quelconque de le faire. Il y avait quelque chose qui clochait subtilement chez Sim. Quelque chose lui manquait. Il manquait de discrétion, de réserve, d'une sorte de stupidité restrictive. On ne pouvait dire qu'il ne fût pas orthodoxe. Il croyait au principe de l'Anxos. Il vénérait Big Brother. Il se réjouissait des victoires. Il détestait les hérétiques. Et pas simplement avec sincérité, mais avec une sorte de zèle incessant, un savoir chaque jour révisé dont n'approchaient pas les membres ordinaires du parti. Cependant, une équivoque et bizarre atmosphère s'attachait à lui. Il disait des choses qu'il aurait mieux valu taire. Il avait lu trop de livres. Il fréquentait le café du Châtaignier, rendez-vous de peintres et de musiciens. Je suis avec vous. C'était un fait, pourtant, que s'il soupçonnait ne fût-ce que 3 secondes la nature des opinions de Winston, il le dénoncerait instantanément à la police de la pensée. Ainsi d'ailleurs ferait n'importe qui, mais Sim plus sûrement que tout autre. Ce zèle, cependant, était insuffisant. La suprême orthodoxie était l'inconscience. L'inconscience. Il avait pour l'instant fermé ses oreilles au bruit de la salle et écouté les balivernes qui ruisselaient du télécran. Il apparaissait qu'il y avait même eu des manifestations pour remercier Big Brother d'avoir augmenté jusqu'à 20 grammes par semaine la ration de chocolat. Et ce n'est qu'hier, réfléchit-il, qu'on a annoncé que la ration allait être réduite à 20 grammes par semaine. Est-il possible que les gens avalent cela après 24 heures seulement ? Oui, ils l'avalaient. Parson se l'avalait facilement, avec une stupidité animale. La créature sans yeux de l'autre table l'avalait passionnément, fanatiquement, avec un furieux désir de traquer, de dénoncer et de vaporiser quiconque s'aviserait de suggérer que la ration était de 30 grammes. Il n'y avait de cela qu'une semaine. Il sortit à ce moment de sa rêverie avec un violent sursaut. La fille, assise à la table voisine, s'était à demi retournée et le regardait. C'était la fille aux cheveux noirs. Elle le regardait du coin de l'œil, mais avec une curieuse intensité. Dès que leurs regards se rencontrèrent, elle détourna les yeux. Winston eut le dos mouillé de sueur. Un horrible frisson de terreur l'étreignit. La souffrance disparut presque aussitôt, mais non sans laisser une sorte de malaise irritant. Pourquoi le surveillait-elle ? Pourquoi s'obstinait-elle à le poursuivre ? Il ne pouvait malheureusement pas se rappeler si elle était déjà à cette table quand il était arrivé, ou s'il y était venu après. Mais la veille, de toute façon, elle s'était assise immédiatement derrière lui, dont il n'y avait pour cela aucune raison. Très probablement, son but réel avait été de l'écouter pour savoir s'il criait assez fort. Sa première idée lui revint. Elle n'était probablement pas réellement un membre de la police de la pensée. Mais c'était précisément l'espion amateur qui était le plus à craindre de tous. Il ne savait pas depuis combien de temps il le regardait. Peut-être était-ce depuis 5 bonnes minutes. Il était possible que Winston n'ait pas maîtrisé complètement l'expression de son visage. Il était terriblement dangereux de laisser les pensées s'égarer quand on était dans un lieu public ou dans le champ d'un télécran.
La moindre des choses pouvait vous trahir. En tout cas, porter sur son visage une expression non appropriée, paraître incrédule quand une victoire était annoncée par exemple, était en soi une offense punissable. Il y avait même en 9 langues un mot pour désigner cette offense. On l'appelait « face-crime ». Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de 9 langues ? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Du dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. La contagion. La contagion, c'est un mot latin passé tel quel en français. Contagio, en latin, désigne le contact, la contagion, l'infection. Et il faut partir, pour sa racine, du verbe tangere, qui signifie toucher. Les anciens avaient donc bien compris que certaines maladies peuvent se transmettre par les contacts physiques. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut aujourd'hui respecter scrupuleusement les gestes barrières et ne pas avoir de contact pour éviter la contagion. Et contact et contagion sont précisément deux des sens du latin contagio. En l'an 1984, le 9 langues n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le 9 langues aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les impactualités. Impact du langage sexiste au. Qui estas preseta. Depuis des années, nous devons donc. Les actualités. Magnifique. 12 mars. Si le libéralisme économique ne sut pas lire l'histoire de la révolution industrielle, ce fut parce qu'il s'obstina à juger les événements sociaux du point de vue économique. 1944, par Karl Polanyi, dans son ouvrage La Grande Transformation. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. J'ai réuni aujourd'hui notre comité scientifique de suivi et que nous avons écouté comme nous faisons depuis le premier jour. Protéger les plus vulnérables d'abord. Absolument. Allez, c'est reparti. C'est à vous. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps. ENARQUES, ENARQUES. Continuer de gagner du temps. FAVEUR, FAVEURS. De gagner du temps. VERITABLE, VERITABLE. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons parce que nous apprenons aussi de cette crise. Parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. Officiel, O2FICIEL. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Préconisez PRECONISE. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées.
Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main. Cela veut dire se tenir à distance d'un mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. Savonner, S-A-V-O-2-N-E-R. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Tous ensemble. C'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Libéral, L-I-B-E-R-A-L-E-S. Cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France. Covid 1984. Big Brother vous regarde. Winston resta assis une minute ou deux, les yeux fixés sur son verre vide, et remarqua à peine ensuite à quel moment ses pieds le ramenèrent dans la rue. Pendant 5 secondes peut-être, l'exaltation le rendit inattentif, et il sortit sur le trottoir sans même un coup d'œil préliminaire par la fenêtre. Son cœur se glaça soudain, et il sentit ses entrailles se fondre. Une silhouette revêtue de la combinaison bleue descendait le trottoir à moins de 10 mètres. C'était la fille du commissariat au roman, la fille aux cheveux noirs. La lumière baissait, mais il n'était pas difficile de la reconnaître. Elle le regarda en face, puis continua rapidement, comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, Winston se trouva trop paralysé pour se mouvoir. Puis il tourna à droite et s'en alla lourdement, sans remarquer à ce moment qu'il s'engageait dans une mauvaise direction. De toute façon, une question était réglée. Il ne pouvait plus douter que la fille l'espionnait. Elle devait l'avoir suivi. Il vit alors la fille debout au pied du monument de Big Brother. Elle lisait, ou faisait semblant de lire une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de se rapprocher d'elle tant qu'il n'y aurait pas plus de gens réunis. Tout autour du fronton, il y avait des télécrans. Un vacarme de voix se fit entendre, et il y eut quelque part sur la gauche un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa lestement autour des lions qui étaient à la base du monument et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Pendant qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de gens bloquait le côté sud du square. Winston, qui, en temps normal, était le genre d'individu qui gravite à la limite extérieure de tous les genres de bousculade, joua des coudes, de la tête, se glissa en avant, au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille. Mais le chemin était fermé par un prolétaire énorme et par une femme presque aussi énorme que lui, probablement sa femme, qui paraissait former un mur de chair impénétrable. Winston, en se tortillant, se tourna sur le côté et d'un violent mouvement en avant, s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Il crut un moment que ses entrailles étaient broyées et transformées en bouillie par les deux hanches musclées. Puis il les sépara et passa en transpirant un peu. Il était à côté de la fille. Ils se trouvaient épaule contre épaule. Tous deux regardaient fixement devant eux. Elle avait immédiatement pris en charge la situation, exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle se mit à parler de la même voix, sans expression, les lèvres bougeant à peine, d'un simple murmure aisément noyé dans le vacarme des voix et le fracas des camions qui roulaient. « Entendez-vous ?
Pouvez-vous vous rendre libre dimanche après-midi? Oui. Alors écoutez-moi bien. Vous aurez à vous rappeler ceci. Allez à la gare de Paddington. Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle lui indiqua la route qu'il devait suivre. Un trajet en chemin de fer d'une demi-heure, au sortir de la station tourner à gauche, marcher sur la route pendant 2 kilomètres, une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champs, un sentier couvert d'herbe, un passage dans des buissons, un arbre mort couvert de mousse. C'était comme si elle avait eu une carte dans la tête. « Pourrez-vous vous souvenir de tout cela ?» murmura-t-elle à la fin. « Oui. Vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche. Et la porte n'a pas de barre supérieure. Oui. Quelle heure ? À 3 heures environ. Peut-être aurez-vous à attendre. J'irai par un autre chemin. Êtes-vous sûr de tout vous rappeler ? Oui. Alors éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. » Il n'y avait pas eu de difficulté pour le voyage. La fille était si évidemment expérimentée qu'il était moins effrayé qu'il eût dû l'être normalement. On pouvait probablement se fier à elle pour trouver un endroit sûr. On ne pouvait en général présumer que l'on se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Il n'y avait naturellement pas de télécran. Mais il y avait toujours le danger de microphones cachés, par lesquels la voix peut être enregistrée et reconnue. Il n'était pas facile, en outre, de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à 100 kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elle rencontrait, et posaient des questions embarrassantes. Cependant, aucune patrouille n'était apparue. Et sorti de la gare, il s'était assuré en chemin, par de prudents regards jetés en arrière, qu'il n'était pas suivi. Le sentier s'élargit, et en 1 minute, il arriva au chemin qu'elle lui avait indiqué, simple route à bestiaux qui plongeait entre les buissons. Il n'avait pas de montre, mais il ne pouvait être déjà 3 heures. Les jacinthes étaient si nombreuses qu'il était impossible de ne pas les fouler aux pieds. Il s'agenouilla et se mit à en cueillir quelques-unes, en partie pour passer le temps, en partie avec l'idée qu'il aimerait avoir une gerbe de fleurs à offrir à la fille quand ils se rencontreraient. Il avait cueilli un gros bouquet et respirait leur étrange parfum légèrement fade quand un bruit derrière lui le glaça. C'était, à n'en pas douter, le craquement du bois sec sous un pied. Il continua à cueillir des jacinthes. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Ce pouvait être la fille. Il se pouvait aussi qu'il eût été suivi. Regarder autour de lui, c'était prendre une attitude coupable. Il cueillit une fleur, puis une autre. Une main s'appuya légèrement sur son épaule. Il leva les yeux. C'était la fille. Elle secoua la tête, lui enjoignant ainsi de rester silencieux, puis écarta les branches et le précéda sur le chemin étroit de la forêt. Visiblement, elle était déjà venue là, car elle évitait les fondrières comme si elle en avait l'habitude. Il faisait semblant de converser. Il s'était décidé à se rapprocher d'elle. Elle se tenait devant lui, très droite, avec sur les lèvres un sourire un peu ironique, comme si elle se demandait pourquoi il était si lent à agir. Les jacinthes étaient tombées sur le sol. Elles semblaient être tombées de leur propre volonté. Il lui prit la main. « Le croiriez-vous ? » dit-il. « Jusqu'à présent, je ne savais pas de quelle couleur étaient vos yeux. » Il remarqua qu'ils étaient bruns, d'un brun plutôt clair, et que les cils étaient noirs. « Maintenant que vous avez vu ce que je suis réellement, pouvez-vous encore supporter de me regarder ?»« Oui, facilement. J'ai 39 ans, j'ai une femme avec laquelle je ne puis divorcer, j'ai des varices, j'ai 5 fausses dents. Cela ne pourrait pas m'être plus égal. » dit-elle. La minute d'après, il serait difficile de dire lequel en avait pris l'initiative, elle était dans ses bras. Il n'éprouva tout d'abord qu'une impression de complète incrédulité. Le jeune corps était pressé contre le sien, la masse des cheveux noirs était contre son visage. Eh oui, elle relevait la tête et il embrassait la large bouche rouge. Elle lui avait entouré le cou de ses bras et l'appelait chérie.
amour, bien-aimé. Il l'étendit sur le sol. Elle ne résistait aucunement et il aurait pu faire d'elle ce qu'il voulait. Mais la vérité est qu'il n'éprouvait aucune sensation, sauf celle de simple contact. Tout ce qu'il ressentait, c'était de l'incrédulité et de la fierté. Il était heureux de ce qui se passait, mais n'avait aucun désir physique. C'était trop tôt. Sa jeunesse et sa beauté l'avaient effrayé, ou bien il était trop habitué à vivre sans femme. Il ne savait pas pourquoi il restait froid. La fille se releva et détacha une jacinthe de ses cheveux. Elle s'assit contre lui, lui entoura la taille de son bras. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout l'après-midi. Est-ce que ce n'est pas une splendide cachette? Je l'ai trouvée un jour que je me suis égaré au cours d'une randonnée. S'il venait quelqu'un, on pourrait l'entendre d'une distance de 100 mètres. « Comment vous appelez-vous ? » demanda Winston. « Julia. » Covid. 1984. En direct, original, l'inconscience. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de Neuf Langues ? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Du dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Un vaccin ? Donc, vaccin tire son origine du nom latin vaca, qui désigne la vache. Quel point commun, quel rapport y a-t-il entre une vache et un vaccin? Oui. Eh bien, les bovidés peuvent souffrir d'une maladie que l'on appelle la vaccine et dont le virus s'apparente à une maladie très grave pour l'homme, aujourd'hui éradiquée, la variole. La vaccine permet de protéger l'être humain contre la variole. Et les premiers essais de ce vaccin datent du dernier quart du XVIIIe siècle. Mmh. Et le mot vaccin a été créé à cette occasion et introduit en français au tout début du XIXe siècle. Et comme on s'est servi de ce virus qui touchait les animaux, c'est pour cela que la vaccine a donné le nom vaccin. Le dictionnaire. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les impactualités. Pas du langage sexiste au... Qui estas preseta? Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifique. Le 28 avril, et souvent même, cette impossibilité d'aller voir la personne défunte. La remise en question, c'est sûr qu'il y a un aspect professionnel, mais il y a aussi un aspect personnel en fait, et là on le voit avec les débats actuels. Je veux vraiment pas rentrer dans la polémique, mais si on prend par exemple le débat lié à l'hydroxychloroquine en ce moment avec le professeur Raoult, on voit bien qu'au bout d'un moment, on se demande qui est-ce qui se remet en question, qui est-ce qui est dans le débat, qui est-ce qui est dans la discussion. Et je pense qu'il ne faut pas non plus donner l'impression aux gens que parce qu'on est scientifique, on se remet toujours en question et on est ouvert à tout. Pas du tout. Les défis auxquels nous devons face, c'est aussi la partie économique. Soja, pour nourrir les vaches européennes. La difficulté que nous connaissons. Les risques économiques associés à la crise sanitaire que nous vivons sont considérables. L'impact de cette crise sanitaire, ce sera la plus forte récession connue en France et dans le monde occidental depuis 1945. Et longtemps tenue secrète et qui... Au cours de l'année 2020, la croissance sera négative de l'ordre de moins 8%. Plus de 2 personnes de la famille. L'occasion de se demander qu'est-ce que ça veut dire, une croissance de 1% ou 1,5%. Que les entreprises qui vont recevoir ces centaines de milliards... Tant mieux, elles les reçoivent pour garder l'emploi et pour garder les activités, mais qu'elles en soient redevables. 700 000 entreprises, au fond c'est presque une entreprise sur deux qui en bénéficie, et presque un salarié sur deux qui en bénéficie. 9 millions de salariés, je l'ai dit, c'est un coût, un budget global de l'ordre de 24 milliards d'euros, c'est absolument considérable. Vous avez entendu, on ne peut pas continuer aujourd'hui à imaginer qu'on nourrira 8 milliards d'humains demain avec la moitié des sols qui sont morts. Qu'est-ce qu'il tue ce virus? Regardez qui il tue en ce moment. Des personnes âgées en surpoids, 83%. Et c'est quoi ce surpoids? C'est la malbouffe. Ça ouais. Veut dire que l'hypertension, c'est ça aussi. Hein, les diabètes de type 2 qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on est en train de payer un ensemble de réactions et de comportements. Et quand le président Macron disait l'autre jour, nous sommes en guerre, mais c'est pas contre le virus qu'on est en guerre. De toute façon, on en aura d'autres si on fait pas attention. Ce qui sera indispensable.
J'ai qui d'autre? J'ai plein de gens qui commencent à m'envoyer des photos de leurs fleurs. Et donc voilà, ça va durer. Nous allons sortir progressivement du confinement. Il s'agit d'assurer la continuité de la vie de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, assurer la continuité de la vie de la nation? C'est garantir que nous allons pouvoir continuer à produire pour nous nourrir, pour nous transporter. Que nous allons, en futur, aux responsabilités. Que nous allons pouvoir faire continuer l'école. Confinement, j'ai l'impression d'être asphyxié. Et évalue entre 2 à 6 millions le nombre de nos concitoyens qui sont entrés en contact avec le virus. On est très loin de ce qu'on appelle parfois l'immunité de masse ou l'immunité populationnelle. La population n'est pas immunisée. Nous n'aurons pas de vaccin rapidement. En tout cas, rien à un horizon raisonnable avant 2021 et peut-être un peu plus loin. Mais aussi, largement aussi important, un esprit critique. Parce que c'est l'absence d'esprit critique qui fait gober n'importe quoi à n'importe qui. Et probablement que on apprend collectivement à faire face à des épidémies et des virus. Ça, c'est le côté un peu grossier. En attendant, et sans attendre surtout, l'État français, dès le début du mois de mars, a mobilisé, et c'est une mobilisation formidable, les industriels du textile pour aller fabriquer des masques destinés au grand public. Ce ne sont donc pas les masques chirurgicaux ni les masques FFP2, mais ce sont tout de même des masques qui répondent à des normes. Et en plus, la France importe en grande quantité des masques qui correspondent à ces normes. Vous les verrez bientôt, ils sont en tissu. La situation s'améliore progressivement. Pouvoir 395 donc ces dernières 24 heures. Le confinement est efficace et produit ses effets selon... Les crues épidémiques en France, un peu moins de 400 décès depuis hier. Près de 20 000 décès au total dans le pays, avec plus de 30 600 malades hospitalisés, dont toujours plus de 5 000 en réanimation. Concernant... Nous pensons qu'il est important que les chercheurs parlent de leurs résultats scientifiques et partagent avec le plus grand nombre. Malheureusement, ces résultats sont le plus souvent publiés uniquement dans des journaux académiques, qui sont des journaux qui ne sont pas gratuits du tout, lorsqu'on n'est pas affilié à une université ou à une institution de recherche. Dans notre monde néolibéral, la connaissance est une denrée marchande. Donc, le grand public doit payer pour accéder à ces résultats, alors que c'est ce même grand public qui a déjà payé les chercheurs pour faire la recherche. C'était Covid 1984. Mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain nous. Épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid 1984. Réalisé par le ministère de l'amour. En direct, original. 1, 9, 8, 4. Au revoir, frère. 1984. Citoyens, restez chez vous.